dans L'autre côté de la mer, nous parlerons de communautés invisibles, de jeux vidéo et d'Hollywood. On parle souvent de la difficulté des Réunionnais de métropole, à cause du temps, de la famille qui leur manque et aussi des postes à responsabilité qui ne semblent pas être à leur portée. L'autre côté de la mer a rencontré Cathy, Karim et Jalimé pour nous montrer que rien n'est impossible. Quand on a sauté la mer, on est arrivé ici dans le pays Lafray. Tout le monde sait que ce n'est pas facile pour les Réunionnais ici en métropole, dans l'Hexagone. Ce n'est pas facile d'une part de nous retrouver tous ensemble, ce n'est pas facile de chercher du travail, de trouver du travail. Ce n'est pas facile parce qu'on est loin de la famille, ce n'est pas facile parce que tout y manque à nous, les chis, soleil, la nourriture, notre culture. Et puis, comme chaque Réunionnais qui a immigré ici, on sait tous que être français, créole, réunionnais à Paris, c'est pas une chose facile. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce qui me tient à cœur maintenant que, bon, j'ai eu cette opportunité et la chance par mes combats personnels d'être en charge ici à la mairie de la délégation en lien avec l'écologie, ce qui me tient à cœur maintenant, c'est de fédérer, de mobiliser le réseau créole, le réseau réunionnais ici à Paris. Alors, je sais bien que ça ne va pas se faire facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé il y a très longtemps. Il y a plusieurs associations qui existent déjà. Je n'invente rien. Moi, je n'ai pas la prétention, voilà, hein, de représenter. Enfin, ce qui me tient à cœur, c'est d'être peut-être un moteur, d'ouvrir grande les portes de cette mairie pour que les Réunionnais, lorsqu'ils arrivent ici, puissent avoir une écoute, puissent aller vers d'autres associations pour qu'on puisse peser dans cet univers d'ultramarins, parce que nous savons tous que dans le mot ultramarin, il y a d'autres communautés qui prédominent. Et aujourd'hui, le Réunionnais, le créole, eh bien, malheureusement, trop laissé, on va dire pas de côté, mais comme disait un certain grand monsieur, un très très grand écrivain, nous sommes la communauté invisible. Et ce qui serait bien, c'est que cette communauté invisible puisse devenir visible et puisse aujourd'hui occuper des fonctions dans ce pays, dans l'Hexagone, des fonctions qui sont à la hauteur de leur valeur. Voilà, pour représenter notre communauté et surtout représenter aussi d'autres générations qui arrivent et pour qui c'est pas non plus facile d'exister tout simplement. Même si les investisseurs se sont montrés frileux pour créer un jeu vidéo à La Réunion, Lionel Dary n'a attendu personne pour monter sa propre société de production. Résultat, il a lancé début janvier son troisième jeu vidéo 100% pays, Speed Intense Island, et devient premier au top mondial tendance de jeux de course. Les fuck up, les robocop et les photocopies. Comme dit Nico, nous coupe, coucou. Et si on rote, nous coupe, cap, crève, coupe, bas, fait, coupe, bas. Nous rote pas la gloire, nous rote même pas être bon star. Mais nous tchoun nous bien fait voir. Nous tchoun nous bien fait voir. Nous aime pas la voix, division nous veut pas voir. Mais nous tchoun nous bien fait voir. Les ricales coûtent pas, les coûtent pas. Thank you.
mai, dans le Loir-et-Cher, l'association Vanille des Îles a organisé un petit tour à La Réunion. Une manifestation originale avec démonstration de maloya, de danse réunionnaise et surtout un marché créole haut en couleur. Retour sur cet événement 100% pays. Nicolas Técher, originaire de Cilaos, a commencé ses études de son à Paris et les a continuées à Los Angeles. En 2014, il finit premier au concours de musique Hans Zimmer. Pour ne pas oublier ses racines, il a réalisé un clip qui mélange des images de La Réunion et des images de Los Angeles. Découverte. Vous pourrez vous détendre, danser et manger créole au pique-nique 974 dans l'Oise à Villiers-Saint-Paul. Et si vous avez envie de maloya, ne manquez pas Daniel Waro au Tamanoir à Gennevilliers. Pour une ambiance plus jazzy, Olivier Kerourio vous attend au studio de l'Ermitage avec l'Orchestre Pays. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans L'autre côté la mer, nous parlerons d'écologie, de pique-nique et d'ultramarins.